France Impro. À l'époque, j'ai taquiné la pédale, c'est vrai. On va face à face, sache que je te nique ta race. Mais qu'est-ce que t'écoutes? Je comprends pas des fois. Moi, c'est des pompes que je comprends pas. Sylvie, tu lui as dit que vous partiez pas en vacances? Je suis tellement pressée de partir demain. C'est super. Il faut que je te demande quelque chose. Rapport au Tour de France. J'invite les volontaires du magasin François Noël dans la voiture numéro 5. Ah ouais, là, il a fait fort. Ok, d'accord, j'ai merdé. Cette fois-ci, tu m'avais promis de vraies vacances. Il n'y en a que pour toi et ton vélo, t'es qu'un égoïste. Sylvie! Et lui, vous me le virez. Vous me virez du Tour? Virez tout court. Oui? Voilà, je vous appelle parce que j'ai décidé de faire le Tour de France. En fait, je vais faire l'étape un jour avant les pros. Allô, François? Alors, comment ça se passe? Pas bien, ça se passe pas bien. Évidemment que c'est dur. Tu peux encore pédaler? Tu vas t'accrocher. Putain! On est comme qui dirait la caravane de François. Bien, moi, je suis comme qui dirait son directeur sportif. On est comme qui dirait une équipe. Oh, c'est tout simplement ahurissant. Il est comme porté par ses supporters qui se font de plus en plus nombreux. Ma quoi? Vous voulez pas lui rouler une balle au sénat? Tu crois que tu comprends tes enfants et tu fais ce qu'il faut, puis un matin tu te réveilles et t'as raté un épisode. Enfin, moi, c'est pas des épisodes que j'ai ratés, c'est des saisons entières. Tu nous fais quoi, là? On a tous les sponsors qui attendent. C'est mon fils! Tu comprends ça? T'as pas pu être maillot jaune à cause de moi. Mais non! J'ai jamais eu le niveau, moi. J'aurais jamais pu être un champion. Vous allez arrêter de m'emmerder avec lui. Je vais lui laisser 20 minutes d'avance, Tenez. Quand tu veux. Ah non, je fais pas la course. Tout ça, ça t'est monté à la tête. T'as voulu être une superstar avec des sponsors de partout. Je suis collé, là. Est-ce que tu vois l'Arc de Triomphe? Ben non. Eh bien, tu t'arrêteras quand tu le verras. Allez, vas-y, pousse maintenant.